Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est YoYix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo 3 produits high-tech à moins de 30€. Allez, c'est parti. Et on commence tout de suite avec une enceinte Bluetooth, c'est du Bluetooth 4.1. Donc c'est la SK-M7 qui a deux haut-parleurs de 3 watts, donc 6 watts en tout. Elle est étanche, donc ça c'est super pratique pour l'été, bon même si on est en hiver, je vous l'avoue. Elle a un microphone intégré, ça aussi c'est super pratique si jamais vous recevez un appel, ben vous pouvez directement parler avec l'enceinte. C'est une batterie de 2600 mAh, donc il est marqué que c'est 14 heures d'autonomie pour 4 heures de recharge après, Après ça reste bien sûr à vérifier. Pour ma propre opinion, je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Si vous voulez essayer de trouver moins cher avec une qualité pareille, je pense que vous ne pouvez pas. Après c'est sûr, elle a quelques points négatifs, comme par exemple si vous poussez vraiment l'enceinte à fond, vous la mettez le son le plus haut possible, il y aura quelques grésillements, ça c'est sûr. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'enceinte. Le prix est de 26,99€, donc franchement c'est pas cher. Allez-y foncez, vraiment je pense que vous ne serez pas déçus. Il y a un lien dans la description, un lien Amazon si vous voulez acheter ce produit. Et on continue avec un clavier Bluetooth sans fil 3.0. qui va jusqu'à 10 mètres, là où vraiment vous avez de la place, et c'est du AZERTY. Il est compatible avec tous les appareils iOS, donc que ce soit des iPhone, des iPad, des Mac et tout, mais personnellement j'ai réussi à le faire tourner sur Android, donc je comprends pas pourquoi, vraiment je vous l'avoue. J'ai essayé, je me suis dit écoutez pourquoi pas essayer, on sait jamais, et en fait ça a marché, donc attention je vous garantis pas que ça marche pour votre iPhone, enfin pour votre Android à vous, ou encore moins si vous êtes sous Windows Phone. Mais voilà, personnellement, ça a marché. Je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est un clavier super fin, pas bruyant du tout. Ça reprend en fait le style des claviers Apple. Donc moi, j'aime beaucoup franchement les claviers Apple. Et il faut le dire, pour 16,99€, parce que oui, c'est 16,99€ son prix. C'est vraiment pas cher du tout pour la qualité de finition et la qualité du produit en lui-même. Donc si vous avez envie pour Noël d'un petit clavier Bluetooth sans fil pour votre Mac, iPad, iPhone ou pourquoi pas pour votre Android ma foi, eh ben je vous conseille celui-là parce que franchement 16,99€ c'est pas cher du tout. Et on finit avec un casque de réalité virtuelle donc pour iPhone ou Android. Du moment qu'il fasse minimum 3,7 pouces et maximum 5,5 pouces. Donc on va pas trop s'attarder sur le fait de la partie smartphone en fait, parce que bien sûr si vous avez un smartphone avec une qualité d'écran pourrie, ben ça sert un peu à rien en fait d'avoir un casque de réalité virtuelle. Donc on va plus s'attarder sur le confort et sur les différents réglages de ce casque de réalité virtuelle. Donc justement niveau confort, il y a rien à redire, il est vraiment très très confortable. Il y a des bandeaux ajustables, il y a du rembourrage en cuir tout autour du masque pour éviter des frictions ou alors des petites brûlures. Donc vraiment niveau confort, il n'y a rien à redire. Vous aurez différents boutons pour régler par exemple l'écartement des yeux ou encore régler la profondeur de la lunette si vous voulez que votre smartphone soit plus ou moins éloigné de vos yeux. Et vous pourrez aussi enlever le cache juste derrière votre smartphone pour laisser passer le son si jamais vous jouez à un jeu dont le son est primordial. Pour être honnête avec vous, j'ai pas trouvé de point faible à part le fait qu'il n'y ait pas de bouton pour contrôler l'écran. Donc à chaque fois si vous voulez changer ou alors contrôler quelque chose sur l'écran, vous êtes obligé d'enlever votre smartphone. C'est vraiment le seul et gros point faible quand même, il faut le dire. Le prix est très abordable parce qu'il est en dessous de 22€ à 21,99€. Vraiment, c'est pas cher du tout comparé à la concurrence qui propose des casques de réalité virtuelle, à plus de 50€. Et franchement, pour le confort qui est à peu près égal. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les liens sont dans la description. Je remercie la marque OK de m'avoir fourni tous ces produits, donc c'est pas du tout un placement de produit ou quoi, c'est vraiment moi qui dis ce que je veux en fait sur la marque. Si c'est pourri, ben je vais vous le dire, si c'est bien, je vous le dis. Là en l'occurrence, les trois produits étaient plutôt bien, après voilà, comme je vous l'ai dit, hein, pour chaque produit, j'ai évoqué les points faibles. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo ou à la partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Écoutez, pour ma part, je vous laisse pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Here we go.